Salut tout le monde, ici Yakipon de retour pour Ori and the Blind Forest. Et l'épisode dernier, nous avons débloqué le double saut. Et ça, c'est cool. Et plus je me dis que le jeu avance, et plus je me dis qu'il serait bien d'XP un peu, parce que il me faudrait des compétences OP telles que le triple saut. Bon, c'est certes dans le dernier. C'est certes dans les dernières branches, mais je me dis que ça pourrait pas faire de mal. De toute façon, qu'est-ce qu'il ferait de mal? Hein? À part les araignées et tout ça. Ok, donc... Ah, mais t'es encore là, toi? Mais je vais te choper. Je vais t'attraper par la peau des fesses. Oui, je reste encore calme avec lui. C'est que la peau des fesses, c'est que les fessées. Apparemment, je suis obsédé par les culs. Bon. Eh bien, bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. Oh là là. Ok, on va sauvegarder. Il y a une grenouille. La grenouille qui fait gao. Bon, regardons la carte. Pour l'instant, nous allons au bon endroit. Wow. Ah non. Ah, ah, non. Bon, tant pis. J'étais pas très loin encore, donc ça va. Puis de toute façon, ce jeu, c'est du try and retry, hein, j'ai envie de dire. C'est de l'aventure en try and retry. Wouhou. Je suis trop fort. Hop. Oh, le double saut, putain, mais c'est tellement mieux. Oh. Il y a un levier. Je veux le levier, s'il te plaît. Voilà. D'accord, c'était juste pour ouvrir ça et pour redescendre plus vite. Ok. Sauf qu'il y a le trou pour redescendre plus vite. C'est complètement stupide. Bon, c'est pas grave. Bon, il est où? L'autre, là. Ça sent mauvais. Il y a de la vie et du mana, donc... Autant sauvegarder. Ok, qu'est-ce qu'il a lui? Allez! Je vais te choper. Je vais t'attraper et je vais te la coller la fessée. Pourquoi la musique s'énerve? Ok, il y a des cailloux. Je pense qu'il faut pas manger de cailloux. Merde. Oui, faut pas les manger. Bon, un. Un de dégâts, ça va. Mais il faut pas que j'en prenne 50. Ok. Le skill. Oh fuck. Il y a des tout petits cailloux. Ok, mais en fait, il y a deux endroits où les cailloux viennent. Ok. Derrière, là-bas. Non, il n'y a que des cailloux. Bonjour. Putain, je suis gentil avec tout ce que tu m'as fait, salopard. Et il s'en va. Et Ori en mode fuck you. Dis pas merci. Ok. C'était pas expected du tout, mais ça me va. Attends, y'a un truc là? Ouais. Oui, Ori en plus encore de bonté et d'espoir, bah. Oui, je suis gentil. Ah, bah c'est gentil! Je t'ai sauvé la vie et toi tu me donnes enfin ma clé! On va pouvoir aller à l'arbre! Ouais, l'arbre! Souviens-toi, l'élément des eaux se trouve à la cime de l'arbre de Ginzo, nous ferons à nouveau jaillir l'eau. D'accord, ça me va. Oui, c'est là-bas. Oh là là, je sais où c'est l'arbre. Elle nous l'a dit la dernière fois. Bon, ben on va remonter. Par contre, ça me fait chier. Il y a des trucs dans l'eau, mais l'eau, elle est moisie, donc je peux pas y aller. Ben, c'est pas grave, au pire. Je verrai ça en fin de jeu ou quand il me manquera des compétences et qu'il faudra absolument que j'aille XP, quoi. Enfin, on verra. Hein. L'avenir nous le dira. Et j'aime bien prendre des pics en pleine. Nerf. Ah, j'ai le double son. Non, ça devrait passer maintenant. Wow, ça m'a tellement fait peur. Saloperie. C'est pas grave. On continue. On avance tranquillou. Voilà. À base de petits gâteaux. Et voilà. Je sais pas ce que j'ai avec les petits gâteaux en ce moment. C'est peut-être le fait que je perde du. Non. Ceci est ma vie, ça ne vous regarde pas. Je ne vous dirai rien. Rien de rien. On passe là. Merde. Oh, bonjour. Ok. Oh, mais ces cailloux sont vraiment d'une chiantise. Je suis très nul. Et vous auriez raison de me dire que oui. Oh. Mais pourquoi je suis nul? Pourquoi je suis nul comme ça? Tout simplement en fait.
Ok, on détruit tout. T'es sérieux? Les araignées, c'est pas gentil. Je dis que c'est des grosses saloperies. En fait, je suis allé là, mais je peux pas monter. Ok. Bon, bah tant pis! On repart et puis c'est tout, il y avait un point de vie. Et je pense qu'il doit y avoir des compétences pour que je saute plus haut ou des trucs comme ça, c'est pas possible. Parce que pour l'instant, mes sauts ils sont quand même bien bas, on va dire, en hauteur. Après, tu vas me dire, je peux grimper au mur. Mais là, il y avait des pics partout. Bon, on verra. Le truc pour sauvegarder. Go. Rends-moi toute ma vie, rends-moi tout mon esprit. Ah, oui. Ah, ok, bon, c'est passé. Niveau. Ouais, mais là, il va falloir que j'apprenne à avoir deux. Il faudra que je spamme les deux points de compétence, en fait. Ouais. C'était la concentration pour rester en rythme avec l'araignée, désolé. Fuck. Si j'étais pas synchro avec l'araignée, elle me fumait en fait. Et j'aime pas ça. Je déteste fumer. Enfin, j'ai jamais fumé. Bon, ok, je suis bloqué. Faut retourner là-bas. Super. C'était très intéressant comme endroit. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Que j'avais jamais fumé, que je n'en ai vraiment pas envie. Parce que rien que quand tu sens l'odeur de la cigarette, ça donne pas forcément envie. Vous savez, il y a des gens, enfin, je sais pas s'il y a que moi ou. Non, je pense pas, je suis pas unique au monde non plus. En fait, le truc, c'est que quand je sens quelque chose, ben. J'éprouve la même chose dans ma bouche, en fait. Il y a des trucs un peu trompe-l'œil, genre. Un fromage qui s'appelle le trou du cru, qui sent très très fort et qui est juste très doux au goût après. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Mais voilà, moi, fumer, c'est interdit. C'est je me l'interdis en fait. Et j'en vois aucune utilité, quoi. Autant fumer un billet de 5 euros, voire 10, parce que maintenant, ben, ça coûte la peau du cul. En plus, tous les gens me disent oui, mais tu sais, ton argent, toi tu le dépenses dans ça, moi je dépense en fumant. Ouais, mais fin, je sais pas, fumer, il y en a, ils disent que ça leur apporte du bonheur, mais ben, ok, tant mieux pour eux. Mais je sais pas, pour moi ce serait comme fumer un billet de 20 euros quoi. Enfin 20, je suis gentil. 5, allez. Bon, on est revenu là. Et il faut retourner à l'arbre. C'est parti. On va à l'arbre. Petit lag là, c'est quoi ce bordel? Il y a eu un petit lag. Je crois qu'il a pas aimé toutes les animations de jeu. C'est pas normal, mon jeu tourne très bien. Bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. On remonte là-haut. En même temps, monter en bas, c'est compliqué. On ne le dira jamais assez. Allez. Bon, on va dans l'arbre, j'imagine. Ou faut juste l'activer avec la perle. Bon, on va voir. J'insère la source. Bon, apparemment, on va dedans. C'est notre premier donjon? Sauvegardons. Enfin, c'est un donjon ou. L'arbre de Ginzo. D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, c'est parti. Les eaux de Nibel se déversaient autrefois de cet arbre, mais le voici désormais mort et creux. Pour qu'à nouveau jaillisse l'eau, il nous faut trouver le cœur de l'arbre de Ginzo. Ok! Eh ben allons-y. C'est quoi ça? Ah, apparemment la lumière là-bas s'est activée. C'est des téléporteurs, tout simplement. Eh bien, téléportons-nous. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Ah, ça pue la plateforme try and retry par contre. Hein. Bon, c'est pas grave. On va sauvegarder un peu de temps en temps. J'ai 4 points, autant en profiter. Enfin, j'en ai 6 en tout, mais actuellement j'en ai 4. Ok. J'ai le nez qui me gratte. Ah. Bon, j'ai encore plus de points. On va en profiter pour sauvegarder ici.
Voilà. Ok, bon. Ah, je peux pas tuer les ennemis, apparemment. Hop là. C'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Je déteste cette expression et je fais que la dire. Qu'à cela ne tienne. Wow, wow, wow. Ah non! Ok, c'est bon. C'est bon. No stress. Ok, il y a un truc bleu là-haut. Ah, ça. Ça me va. Ok, on a passé une autre phase. Est-ce qu'on a rien oublié? Pour l'instant, on dirait pas. Bon. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, ça va être du téléportail à la. À la portale, hein. Je cherchais le nom du jeu, mais il est évident. Putain. Mais, sors de là! Il est con, lui. Ok, donc là, il y a quoi? J'ai pas envie d'aller là. Je prends le point de vie et je m'en vais, quoi. Parce qu'il y a d'autres trucs là-bas. Ah, merde, je suis con, je l'ai vu en plus. Point de vie. On retourne en bas, pourquoi? D'accord, pour de l'X. Il y a un truc pour passer. D'accord. Je comprends pas trop pourquoi, mais. Peut-être qu'on peut plus passer par là? Si. Ok, j'ai perdu tout point de vie. On sauvegarde et on continue. Stay calm. Oh, fuck my life. D'accord, bon. Donc là, ça va commencer à être du. Tryhard. Ok, not bad, c'est sympa en plus. Le fait de se téléporter comme ça, j'aime bien. Alors on est où là? Ok, on est là. Donc il y a une fleur, il y a un truc pété le machin. Eh ben il y a un autre portail, donc je pense qu'on y va. D'accord, donc il va falloir faire ça. Ouais. Et après, ça va où ça? D'accord, ça va là. Ah, mais il y a un deuxième. Bon, c'est nul. Ouais. Ça va se péter dedans ou pas? Ouais, mec. Donc en fait, on va pousser ça là. On va mettre ça là. On va passer là de suite. Vite, vite. Oh, mais c'est bon, j'ai le temps. Et normalement, ça va péter le truc là. Ok, un pec. Ben voilà. Des petits puzzles comme ça, comme on les aime. Ok. Bon. Ok, un boss. Enfin, un boss. Ils sont relous, ces monstres. Ils ont trop de vie en plus. Ah merde. Et ils font hyper mal. Arrête, espèce d'excroissance. Déjà? Ce fut pas génial, génial, mais bon, écoute. Ah, je suis à 33% de l'arbre. Déjà, putain. On va aller là. On va faire ça. On est où là? Je vois pas où on est. On va aller chercher les clés. Ok, c'est pas grave. Ok. Ben voilà. Merde. Donc là, je suis où? Ah, j'étais en bas, d'accord. Oui, on arrive, on arrive. Merde. Ah! What the... Je pensais pas que ça se pèterait, moi. J'ai plus de points de vie. Ok, on a les 4 clés. Et on a déjà fait 49%. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même! Eh bien, montons. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un pouvoir! Oui, j'aime les pouvoirs. Oh, Rem était agile et filait à toute allure à travers les airs. Ah ben voilà le dash! Ben j'imagine. Est-ce que c'est un dash?
Les trucs qui filent à tout à l'heure. En fait, ils te donnent des indices sur ce que tu vas avoir. Tu maîtrises la compétence frapper. Pour utiliser, appuie longuement sur Y près des lanternes ou de projectiles ennemis et oriente ton saut dans la direction de ton choix. Les projectiles seront renvoyés à l'expéditeur. Quoi? Donc j'imagine qu'il faut tester avec les lumières, comme ils disent. C'est OP. C'est OP! Wouh! C'est trop bien! Ok, alors je vais kiffer ce nouveau pouvoir. Ils ont dit d'utiliser sur les ennemis aussi. Oh merde. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais... Vas-y, go! Viens là! Ah, c'est trop bien! Mais c'est complètement fumé! Et on peut le faire sur les projectiles alors? Ils ont dit que les... On peut renvoyer à l'expéditeur. Merde, j'ai pas sauvegardé, putain. C'est relou, ça! Sauvegarde. Je ne peux pas utiliser le pierre d'homme près des essous. Voilà. Alors. En fait, les projectiles, eux, par contre, ils vont à l'opposé de là où... Ouais, ils vont à l'opposé de là où je vise, en fait. D'accord. Bon, ben, qu'est-ce qu'on tienne. Ah, j'ai 2 points. C'est bon, ça. J'imagine que... Ok, c'est bon. J'ai de bons instincts, quand même. Hein. Oui, je me la pète et je vous emmerde. Ça, c'était pas gentil, par contre. Je vous emmerde. C'était pas gentil du tout. Je vous fais des bisous, vous le savez. J'aime tout le monde, moi. Ouais. Ça marche pour ça? Oui. Par contre, il faut réagir, hein. Waouh. On va aller là-bas. Ok, donc en fait, je crois que j'ai besoin de lui. Putain. Ouais, vu que lui, il part en cloche, en fait. C'est bon, je l'ai. Toi, tu as crevé pour le reste de tes amis, voilà. Je suis désolé, mais bon. Un point de mana! Ouais! Ça fait 7! Déjà? Eh ben putain! On va sauvegarder un peu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au revoir. Ok, voilà. La clé. Ah merde. Ah fuck, je peux pas. C'est juste trop bien ce truc, hein. On va refaire le tour. Ok, c'est juste OP et j'aime ça. Mais c'est pas OP OP, mais c'est vraiment très cool. Hein. Ça, y a pas à dire. Est-ce que j'ai loupé des choses? On sait jamais. Non, on est à 88, ah ouais, quand même. Ah, mais quel gland, mais quel gland, mais quel gland! Donc je disais... Ah fuck. Je suis un peu concentré. Ça demande un peu de dextérité. Et on sauvegarde. Pendant que cette putain de porte met 30 ans à s'ouvrir. Ah, c'est vrai, mes compétences. Y'a quoi? Ça, c'est le triple saut, je le veux, quoi. Donc, on va aller là. Respiration aquatique. Ah ouais, je pense que ça pourrait être bien, ça aussi. Parce que j'imagine que si là, on est dans le temple de l'eau, ça veut dire que ça va mettre de l'eau un peu partout. Un boss. Ok, bon, bah, je viens d'avoir un truc. J'imagine qu'il faut lui renvoyer tous ces projectiles à la gueule. J'imagine bien, mais malheureusement, je suis trop bête.
Ouais, j'ai bien imaginé. Il y a un truc pour monter, mais non, je vais aller là. Là, on verra. Bah, j'ai bien fait. Une partie sauvegardée. Voilà. 71%. Pourquoi je comprends pas en fait le. C'est pas grave. Waouh! Ok, donc on est arrivé. Le cœur de l'arbre de Ginzo protégeait autrefois l'élément des eaux, mais le voici aujourd'hui malade et gangréné. Oh, va falloir qu'on enlève tout ça. Eh ben ça, on le fera au prochain épisode. Nous devons l'aider, le soigner et le purifier en le débarrassant du mal qui le ronge des deux côtés. D'accord, on va faire ça. Ben on fera ça au prochain épisode, c'est bien ça. Donc je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas le site Ivasound pour vous tenir aux toutes dernières actualités. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.